s'endort. On est en route. Ben, en fait, en ce moment, on est à Lévis. On est à Lévis. On est pas mal à Lévis. C'est la première fois qu'on prend l'autoroute 73. Sud. Sud. Oui, c'est vrai. On est en route vers Frampton. On s'en va visiter le Zoo Miller. On est jeudi le 13. Ouais, 13. On est jeudi. Maudit que je poche avec mes dates. On est jeudi le 13 juin dans nos vacances. On est dans la vacances depuis lundi. Police. La police, ça faisait du radar, genre nowhere, comme parking. Mais elle est en bas. Fait que, on est dans nos vacances. On a décidé de partir un petit 3 jours à Québec. Puis les parrains de Zach vont venir nous rejoindre au Zoo Miller en Beauce, à Frampton. Fait que là, on se dirige vers là. Il nous reste à peu près une demi-heure avant d'arriver. On risque d'arriver avant eux parce qu'eux, ils partent de la Côte-Nord. Ça leur prend un petit peu plus de temps. Fait que, on va filmer ça aujourd'hui. On a M. Tommy qui conduit. Moi, j'ai pas vraiment super bien dormi. Les cerveaux d'une femme enceinte. Les cerveaux. C'est vrai qu'on a plus qu'un cerveau, nous, les femmes. Le cerveau d'une femme enceinte. Le cerveau d'une fille enceinte. Fait que, on est en route. Puis c'est la première fois que je viens en Beauce. Tommy aussi. Fait que c'est la première fois qu'on vient en Beauce. On va passer par Sainte-Marie-de-Beauce. C'est ça. Puis on va monter vers Frampton, vers le Zoo Miller. On va aller voir le refuge. Puis on a réservé deux nuits. Sans les mains. À l'hôtel Jarreau. À Sainte-Foy. L'hôtel Québec, oui. Ok. Justement, pas bonne. Où est-ce qu'il y a des glissades d'eau? On a loué une suite pour deux nuits. Fait que je vais filmer ça aussi, ça risque d'être vraiment intéressant. Puis on va aller dans les glissades d'eau avec Zach. Fait que ça va être nos petites vacances d'avant avant bébé, avant accouchement. Fait qu'on continue notre route. T'es-tu content? On est où, Zachary? On est-tu au zoo? Oui. Au zoo? Oui. Hey, va voir papa! Zach? Oui. On est content d'être debout, je pense. T'as passé 3 heures assis comme un champion. T'es super bon. Yeah. Qu'est-ce qu'on s'en va voir? Des tigres? Oui. Puis des lions? Oups! Descends doucement. T'es bon, bravo. Hey. Hey. Ici. On attend-tu les parrains? On attend les parrains. Puis je pense qu'on n'est pas les seuls qui ont eu l'idée de venir au Zoo Miller parce qu'il y a full autobus scolaire. Et je tiens à m'excuser d'avance de mon son parce que j'ai pas enlevé ma caméra et je vais filmer avec mon cellulaire. Puis mon cellulaire, il est pas super. Mon iPhone, il est dû pour être changé. Il est par là. Ok. Ouais, comme ça. Un petit peu. Juste un petit peu. Garde la main ouverte. Ouvre ta main. Quel va venir? Ouvre la main. Ouvre la main. Ouvre la main. Vas-y. Ouvre la main. Elle va venir manger. Il est drôle, hein? Il est manger. Regarde, ici, venez. Juste là. Allô le lion! Un gros chat! Zach! Oui, en haut aussi! Zachary! Comme Léo le lion! C'est quoi qu'il fait le lion? Et où? Mais il est là! Regarde, là! Et où? En haut! Voir en haut, non? Jamais satisfait ces enfants-là! Regarde le lion! Le gros lion! Qu'est-ce qu'il fait le lion?
peut-être tomber. Non, il tombera pas. Je pense qu'il est habitué. Mais non, c'est juste pour grimper pour manger une fourmi. Sauf qu'il ne faut pas s'attendre à un gros zoo comme Grimby, on s'entend, c'est vraiment tout petit, puis c'est un refuge. Ça coûte 20$ par adulte, puis ça dure. Nous, on a visité en 1h30 à peu près. Donc ça a été quand même assez rapide, mais c'était vraiment intéressant, puis les animaux, ils étaient là. On les a vus, là, puis on les voyait très très bien, puis de très près. Fait que non, c'était vraiment intéressant. Fait que là, on se dirige vers notre hôtel, il est 2h40. Petite note à rajouter. Juste à côté du zoo, il y a une microbrasserie. Oui. Pour les amateurs de bière. Pour les amateurs de bière, si vous voulez boire une bonne bière, il y a une microbrasserie, mais là, on s'en va vers l'hôtel. Puis on n'en avait pas parlé non plus à mes beaux-frères. Non, c'est ça. Sinon, on aurait peut-être pu y aller, mais là, de toute façon, Zach, il s'est endormi. Fait que... Voilà l'hôtel. Ce sera pour une prochaine fois. Ouais, on va remonter, ça, c'est sûr. C'est sûr qu'on va revenir. Fait que... Puis qu'il a commencé à mouiller. Fait que on s'entend qu'on s'est dépêché aussi à partir pour être tout mouillé. Fait que je vais vous filmer la chambre quand on va arriver à l'hôtel. Petit room tour de la chambre. Et que la porte. En rentrant, on a un petit bureau. Il y a deux lits escapotables avec, dans le fond, ils descendent juste ici, là. Comme ça. Ils nous ont fait une petite section, dans le fond, frigo, lavabo, café. Un petit foyer, la télé. Voilà. Oh, on voit Tommy ici, puis on voit Tommy ici. Fait que, on a Zach ici, qui est en train de jouer. Ici, on a la salle de bain. Comme ça. Que la salle de bain est, soit dit en passant, beaucoup plus actuelle que le restant de la chambre. Ouais, ici. Puis, on a l'autre porte qu'on va probablement laisser fermer pour être sûr que... Est-ce qu'on a une chambre fermée? Ici. Que probablement qu'on va coucher Zach dans la chambre ici ou peut-être que je vais me coucher avec parce que le lit est comme haut un peu. Fait que, c'est-tu ton lit, Zachary? Yo, papa! Yo, papa! Viens voir ici! Regarde, viens ici! Boum!
papa. N'as-tu pas revu sur le parking? As-tu besoin d'aide, mon coco, pour monter sur le lit? Non. Ben, je pense que oui. Mets ton pied sur ma main. Mets ton pied sur ma main. Mets ton pied. Papa va t'aider. 1, 2, 3. Vas-y. Go! Allô, au IS!